Ouf. Ok. Ok, mais de l'oblation, you are blessed in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Ouh, on a été coupé tout à l'heure. Voilà, que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en prie, partageons cette vidéo. C'est un petit moment prophétique que nous allons passer ensemble. Qui est là? Armand! Bazarita wa inna grace. Dieu te bénisse. Bonjour à tout le monde. Bonjour Anastasie, Pétigny et Banga. Bonjour à Chacha, James. Comment tu vas ma fille? Ça c'est extraordinaire. On se voit certainement bientôt à Paris pour des moments extraordinaires. Ce matin, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier par rapport à l'Europe. Et je vous dis la vérité. Les choses qui vont se passer à Paris sont terribles. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes en Europe, vous n'avez jamais su mes passages là-bas ou bien vous avez renvoyé toujours à la prochaine fois. Alors je vous en prie, par les compassions de Christ Jésus, de ne pas manquer cette fois-ci. Yonina, apôtre Zerach. Allemand numéro Makona. Il y a manqué procuration, ça se passe comment? S'il peut prendre ça à la police là-bas. Hein? Tu veux toi la procuration, la gendarmerie ou à la police? Appelle, tu me le passes, pardon. Donc voilà, bien aimé, les choses qui vont se passer en Europe, tous ceux qui viendront de partout, les choses qui vont se passer, les choses qui vont se passer, le diable essaiera de t'empêcher d'être là parce qu'il connaît les choses qui vont se passer. Connaît le calendrier de Dieu. Et c'est ça que les gens ne savent pas souvent en ce qui concerne Satan. Satan connaît le calendrier de Dieu. Il le sait, mes amis. Satan connaît des secrets dans ce royaume que vous ne pouvez même pas imaginer. Hein? Il connaît des secrets que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi tu me reparles, mon ami? Allô? Tu es où? Hein? J'ai dit, pour faire la procuration, ça demande quoi? Hein? Oui, il faut quoi? Il faut quoi? Oui, je pense que peut-être c'est ce qu'on va faire. Hein? Tu comprends? Oui, dis au gars la moto là, quitte à mon commissariat, pardon. Prends la fiche là, tu remplis ça, je vais signer, tu peux pas déposer. Oui, parce que j'ai un petit problème technique. Hein? Non, tu. Bon, attends, d'accord. Attends d'abord. Il faut la procuration, absolument. Mais tu prends la procuration, je signe, tu vois. Allô? Et quand tu es au commissariat, le policier que tu vas trouver, tu m'appelles. Tu me passes le téléphone tout simplement. Oui, tu passes le téléphone, je veux parler avec la personne. Merci. Tu vas aller dans quel commissariat, lequel? Ok. D'accord, ok. Ok, oui. Donc j'étais en train de dire, mes amis, que le diable connaît les secrets. C'est-à-dire le programme secret de Dieu. Satan le connaît. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ça va? Beaucoup de personnes ne savent pas que le diable est dans le conseil de Dieu. Ça veut dire qu'il assiste par vos conseils de Dieu. Vraiment, je pleure sur l'Europe. Je pleure sur l'Europe.
Il y a un homme de Dieu qui m'a envoyé des vidéos d'un autre homme de Dieu sur les choses qui se disaient sur lui. Comment cet homme de Dieu parlait de lui dans son église, et qu'il est un sorcier, magicien et tout. Et puis bon, l'église de la francophonie est dans les problèmes. On est très mal parti. On est très très mal parti parce que lorsqu'on organise l'église en clan, c'est là l'échec, c'est là que l'échec commence. Et c'est là que le diable nous a eus. Lorsqu'on commence à faire des clans, ça veut dire qu'on fait des clans, des groupes, des groupes, des groupes, top 5, top 10, top 20, top tel. Et puis c'est nous qui décidons qui est vrai, qui n'est pas vrai. Celui qui s'associe à nous est vrai, celui qui ne s'associe pas à nous n'est pas vrai. Et il y a des choses que j'ai commencé à comprendre. Il y a des choses que j'ai commencé à comprendre. Lorsque les groupuscules s'organisent pour s'établir comme un tribunal, pour juger, pour accréditer ou bien pour discréditer telle ou telle personne, il y a un problème sérieux. Il y a un problème technique quelque part. Et c'est là, c'est de là que vient la chute de l'Église. C'est là, mes amis, c'est là que vient la chute de l'Église. Comment des hommes de Dieu peuvent-ils organiser des groupes pour combattre d'autres groupes d'hommes de Dieu? Et Satan, entre-temps, vous pensez qu'il fait quoi? On l'envoie au chômage. C'est ça la réalité. On l'envoie au chômage, mes amis. Et c'est l'erreur que nous sommes en train de commettre. Et ça a toujours été l'erreur de l'Église. Même dans les Saintes Écritures, la Bible dit que tel disait que je suis de Pierre, l'autre d'Apollos, l'autre de Paul, etc., etc. Et la question fondamentale qui était posée, Christ est-il divisé? Et ça, c'est un problème. Maintenant, il y a un problème sérieux dans l'Église. Il y a un problème sérieux dans l'Église. C'est pour ça que mon âme hait les associations. Je n'aime pas les associations. Je n'aime pas les associations. Les associations où on prône le culte de la personnalité ou l'excellence du groupe et non pas de Christ. J'ai un problème personnel avec ce genre de choses. Et c'est l'erreur dans laquelle l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Les hommes de Dieu s'organisent en groupe. Ils s'organisent en bandes organisées. Ça veut dire que les bandes criminelles, ça devient la mafia. L'Église devient, ça devient une question de mafia. On fait des groupes. Si tel homme de Dieu veut venir, qui n'appartient pas à notre groupe, on fait tout pour qu'il n'arrive pas, qu'il n'entre pas dans le pays ou qu'il n'ait pas du succès dans la ville. On le sabote. Ça, on le voit partout, hein. Même à l'intérieur du Cameroun, nous, on a vécu cela. Mais il faut que les gens comprennent que ça ne peut pas empêcher l'œuvre de Christ. Ça ne peut pas. C'est des choses qui ont toujours été là. L'Église n'appartient pas à un homme. Un homme ne peut pas se prévaloir de décider qui est vrai ou qui est faux. Nous devons mettre en garde l'Église. Ça, c'est clair. En tant qu'homme de Dieu, on doit être des éclaireurs et tout ça. Mais on ne doit pas aller jusqu'à prendre le rôle que Dieu doit jouer. Celui de déclarer que tel est vrai, tel est faux, etc. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué. Et j'aimerais partager ça parce que je suis en train d'arriver en Europe. Le ministère, chacun joue sa partition, il part. Nul n'est éternel. Même si tu penses être important, comment? Un jour, tu vas t'éteindre. D'autres viendront et tu vas faire comment? Qui va défendre? Qui va défendre l'Église après ta mort? Non, mes amis, nous ne sommes pas les défenseurs de l'Église. Et tu entends tes pétra au économie sur mon tête ecclésia. Kai pour laï adou katisko soussine à ou tes sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais sur elle. C'est Jésus qui veille sur son église. Et 2 Timothée 2, 22 dit quoi? Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui lui servent de sceau et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Aucun homme ne peut connaître qui est vrai, qui n'est pas vrai. Ça, c'est faux. Aucun homme sur cette terre ne peut. D'ailleurs, que toi-même, tu n'as pas la garantie de ton salut. Parce qu'il peut avoir des surprises. Il peut avoir des surprises de dernière minute. Quelqu'un peut penser qu'il mène une vie de sainteté, etc. Pourtant, il a de la haine dans son cœur qu'il ne voit pas. Ou de la jalousie pour son frère qui se manifeste de façon anodine. Il faut faire attention, mes amis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que je ne pense pas que je l'ai déjà saisi. Mais je tâche de faire une chose, oubliant ce qui est en arrière, je tends vers ce qui est en avant. Il dit, tout ce que je veux, c'est de connaître Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection. Et je fais tous les jours, je tâche tous les jours de le saisir. Et il dit, je ne pense pas encore l'avoir saisi. Je ne pense pas encore l'avoir saisi. Mais je fais
tous mes efforts pour le saisir de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est ça la réalité. C'est ça. C'est-à-dire, aucun homme de Dieu n'est le garant du salut des autres hommes de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se sont érigés maîtres dans l'art de condamner, de juger, de dire tel est faux, tel est vrai. Maintenant, il y a un problème dans l'église. Il y a un problème que les gens doivent comprendre. Dans les Saintes Écritures, la Bible dit que l'apôtre Paul est venu, il est venu avec une autre dimension du ministère. Il est venu avec une autre dimension du ministère. Pourquoi? Parce que, il n'était pas appelé parmi les 12. Ça, c'était polémique. Ça veut dire que toute la vie de l'apôtre Paul, il a été combattu dans l'église. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Son ministère n'a pas été accepté par tout le monde. Il ne faisait pas l'unanimité. Pourquoi? Parce que on disait que les critères basiques d'élection d'un apôtre, Paul ne les a pas respectés. Et c'était vrai. Il n'était pas là la nuit où Jésus-Christ a passé toute la nuit après sur le mont des Oliviers. Il n'était pas là le matin où Jésus a choisi les 12. Il n'a pas marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Il sort de nulle part et dit que le même Jésus qui a appelé les 12 est le même qui l'a appelé. Et puis là on dit non, attends, toi tu es apôtre comment? On sait qu'il y a 12 apôtres. Lui il sortait comme le 13e apôtre. Il était le 13e apôtre. Le 13e apôtre. Et puis l'église dit non, il y a 12. Mais Paul a porté la confusion dans l'église. Et l'apôtre Pierre va défendre Paul en expliquant qu'il y a des choses difficiles, des points doctrinaux difficiles que Paul enseigne en sorte que ceux qui sont mal affermis en tordent le sens. Il faut s'arrêter sur ça. Ceux qui sont mal affermis en tordaient le sens. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que la doctrine de Paul était tellement complexe qu'elle apportait, elle était source d'hérésie dans l'église, source de division dans l'église. Il y a des choses qu'il enseignait, les gens ne comprenaient pas ça parce que c'était des choses peu communes. C'était des choses qui avaient une connaissance, c'était une connaissance élevée supérieure à celle des 12 apôtres. Il faut le dire comme ça. Et donc les gens interprétaient mal ces choses-là et puis on disait, oh non, voilà. Et la même chose s'est trouvée avec Jésus. Lorsqu'un homme de Dieu enseigne, il faut faire attention. Lorsqu'un homme de Dieu enseigne, avant de condamner son enseignement, il faut se raviser qu'on ait eu accès à la révélation dont il a accès. Qu'on ait bien compris le sens dans lequel il a parlé. Ça, c'est très important de le savoir. Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, pendant l'un de ses cultes, va dire, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Je donne cet exemple d'abord. Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Et donc l'église va se disloquer. Les gens m'ont dit, ah, on vous avait dit que c'est un sorcier. Voilà donc les preuves. Vous voyez, il dit qu'on doit manger sa chair. Donc, il nous enseigne la cabale. Hein? Il nous enseigne le cabalisme. Il nous enseigne l'anthropophagisme. C'est un anthropophage. Il nous enseigne le vampirisme. C'est la sorcellerie. Toute pure. Et c'était normal que les gens puissent avoir ce point de vue parce que d'un point de vue dénotatif, ça se justifiait. Mais sur le plan connotatif, ça ne se justifiait pas. Dénotativement, Jésus parlait de manger sa chair, boire son sang. Donc quelqu'un qui est charnel aurait compris qu'il encourageait les gens à la sorcellerie. C'était l'initiation à la sorcellerie, au vampirisme, à l'anthropophagisme, à la cabale, au cabalisme. Mais est-ce que c'est ce que Jésus voulait dire? Il y a ce qu'on appelle dans les sciences la prophétie. La prophétie a double référence. Derrière cette déclaration se cachait une vérité. C'est ça la vérité. Derrière ça se cachait une autre réalité. Il ne parlait pas de manger sa chair charnelle physiquement ou de boire son sang physiquement. Non, il parlait de porter en nous son identité à travers la Sainte Seine qui était le symbole. Et donc les gens avaient la raison, toutes les raisons. Et si on partait dire ça à n'importe quelle autorité romaine, elle dirait oui, c'est un sorcier, il initie les gens à la sorcellerie. Et puis on l'aurait accusé, condamné devant les tribunaux et puis il serait allé en prison pour une déclaration qui en réalité a été mal interprétée, qui a été sortie de son contexte. Et c'est la même chose aujourd'hui. Lorsque nom de Dieu enseigne, donne un enseignement, au lieu d'aller rapidement condamner tout ça, il faut prendre le temps de comprendre, d'écouter, de comprendre. Parce que pour comprendre aussi, il faut avoir les mêmes clés d'accréditation spirituelle. Un jour, j'ai enseigné, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et ça a créé un problème au Cameroun. Ça fait les gens parler, les gens bavarder. Nous,
enseignant de la parole, docteur des Écritures, automatiquement, il y aura toujours des moments comme cela. Or, ce que je disais, si celui qui était de bonne foi écoutait l'enseignement du début jusqu'à la fin, il comprendrait que j'étais en train de parler du tawhid islamique, c'est-à-dire le monothéisme islamique, qui dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Et j'expliquais que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu dans le sens de l'islam. C'est-à-dire que dans le sens où l'islam dit dans la sourate, le tawhid, le monothéisme islamique qui est soutenu par la sourate de Al-Ikhlas, il dit Ulallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Dieu n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et personne n'est semblable à lui. Personne n'est semblable à lui. Donc, dans ce cas, les musulmans pensent que Jésus est le fils biologique de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a couché avec Marie. Or, le Coran lui-même le dit clairement que lorsque l'ange Gabriel est venu vers Marie, il lui dit Anna Rasul Rabbi Kiliha Balaki Ulaman Zakiyan. Je suis un messager de ton Seigneur pour t'annoncer que tu vas donner naissance à un fils sans péché. Et Marie lui dit Anna Yakuno li Ulamun. Il dit comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a jamais connu et en plus je ne suis pas une prostituée. Et l'ange lui dira Karalika ka lahua alay hayinun. Ainsi sera-t-il, a dit ton Seigneur, cela m'est facile. Vous voyez que selon ce passage du Coran, l'ange Gabriel annonce à Jésus qu'elle donnerait naissance à un fils de façon virginale, sans rapport sexuel. Et donc, j'expliquais que la Bible dit la même chose dans le texte original grec. Comme disait Matthieu 1, verset 23, il dit, « O paternos, engastri exei, kai texetai uyon, kai kalesusinto onoma auto, Emmanuel, o estimetomenon menon methemon hoteos. » Voici la Vierge, dans son ventre tombera enceinte, elle enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel, ce qui en métonomagie signifie Dieu parmi nous sous une forme humaine. Donc, que ce soit le Coran ou bien la Bible, aucun des deux livres ne dit que Jésus-Christ est le fils biologique de Dieu. Ouais. Bon, mais il y a des gens qui ont pris ça, qui ont sorti ça du contexte, qui en ont fait un problème, qui ont fait des directs sur moi disant que moi je suis un hérétique. Que je suis un hérétique. Mais je ne me laisse pas faire aussi. Je pense à la connaissance de la parole, Dieu nous l'a donnée et l'avantage que j'ai, c'est que le Seigneur m'a donné l'intelligence de connaître et de maîtriser les langues originales et de maîtriser le Coran. Donc ça veut dire que je maîtrise le Coran en arabe, je maîtrise la Bible grecque, je maîtrise la Bible hébraïque et la Bible en français. C'est-à-dire que j'ai au moins 5 possibilités d'interpréter les saintes écritures et ça me donne de quadriller toute la zone, de comprendre le sens étymologique, philologique de chaque mot dans les saintes écritures. Et quand je me tiens pour enseigner les saintes écritures, je ne vocifère pas du n'importe quoi. C'est pas du haut de la vacuité que je le fais. Non. J'entre dans les langues originales et originelles. Je comprends ce que j'enseigne. Je le comprends tel que peu comprennent dans ma génération. Pourquoi? Parce que je retourne dans l'esprit même de la personne qui parlait dans la langue originelle que la personne a usitée. Et là, l'explication devient, on ne peut, très facile. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Donc, il faut, ces groupuscules-là ne sont pas la gloire de Christ. Je suis en train d'arriver en France. Dieu va manifester une grande gloire dans la vie de ceux qui seront présents. Je vous dis la vérité, elle sera redoutable. Dieu va se glorifier de façon exponentielle, de façon unique, de façon, oh Seigneur, le 10 mai, d'abord que c'est mon anniversaire, c'est le jour de ma naissance. Si tu rates ça, vraiment c'est simple, tu dis que tu m'aimes, tu n'es pas là le 10 mai, le jour de mon anniversaire. Le 10 mai, nous sommes dans la salle, la lune d'or, pour la nuit de prière. On va passer la nuit dans la présence de Dieu. De 21 à 5 heures du matin, le 10 mai, ce 10 mai, c'est-à-dire vendredi prochain, dans une semaine. Vendredi qui est en train d'arriver. Dans une semaine, nous serons dans la salle, la lune d'or. On sera dans la lune d'or. 20 avenue des Courtes et plus jusqu'à 1100 Villa B. Nous serons là-bas. Toute la nuit. Sois là. C'est mon anniversaire. My God. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire, mes amis. C'est dangereux. Satan est en danger. Satan, tu es fini, mon ami. Tu es fini. Tu es par terre. Ta vie va s'arrêter là. Le 10 mai, ta vie va s'arrêter.
Le 10 mai, ce n'est pas le bébé que les gens font. Ce n'est pas une histoire de bébé. Non, non, non. Nous, on ne fait pas de boucan. On n'est pas des boucantiers. Nous démontrons la puissance de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Vendredi le 10 mai, ton problème là va s'arrêter. Je ne veux pas le sorcier de ton village. Je les invite qui viennent. Je les défie. Par l'Éternel qui m'a fait, qui m'a appelé, qui m'a établi prophète dans cette génération. Vendredi le 10 mai, 20 avenue des Courtes et Plus, 9100 Villa B. La salle, la lune d'or, 21h05 du matin. Viens. C'est une des célébrations de ta délivrance, aussi de ma naissance. Viens célébrer la naissance d'un prophète, d'une étoile dans cette génération. Mais je dis une chose. Je lance le défi à la forteresse de la maison de ton père et celle de la maison de ta mère. Les deux, on va mélanger ça, je les tape. Elles seront livrées en spectacle publiquement. En parésia. Elles seront triambeusas. En parésia. Nous allons triompher d'elles en public. Je vais les traîner par terre. Par Jésus-Christ, mon sauveur, on va attraper le sorcier de ton village par les cheveux. Nous allons célébrer le triomphe de la lumière sur les ténèbres. La Bible dit, la lumière lui dans les ténèbres. Les ténèbres voient la lumière et s'enfuient. L'ennemi là va s'enfuir devant toi. C'est-à-dire, prie seulement que j'atterrisse à Paris, que j'arrive là-bas. Tous ceux qui sont en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, s'il te plaît, ne manque pas. C'est dans une semaine. Une semaine. Il reste une semaine pour ta délivrance. Une semaine pour dénoncer les œuvres des ténèbres dans ta vie. Une semaine pour fermer la bouche de ceux qui ont dit que tu ne seras personne. Vendredi 10 mai, jour de ma naissance, jour de mon anniversaire. Oh non, ah non, ah non, les hommes qui viennent, qui rentrent, n'est-ce pas? Ils seront tous écrasés. Qu'ils viennent, je les attends. We are waiting for them. On les attend. Tous ceux qui t'ont menacé, toute malédiction que tu as traînée, trimballée, depuis ta naissance jusqu'à cet âge, je te donne simplement un rendez-vous. Tu es en Europe. Les choses sont bloquées dans ta vie. Tu as entendu parler du prophète Kane Ferdinand ou du Jésus que j'enseigne. Je t'en supplie. Vendredi 10 mai, 21h, 5h du matin, c'est tout ce que je te demande. Prends ton véhicule, viens. Prends ton TGV, viens. Déplace-toi, viens. Le reste, la laisse Jésus faire ça. À travers le vermisseau que je suis, je ne prétends rien. Mais j'ai dit, tente de venir. Tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Tente seulement. Il faut tenter. Tente seulement. Et il faut savoir que le diable fera tout pour t'empêcher d'être là. Dimanche, consécration des familles à Jésus-Christ. Dimanche 12 mai, à partir de 10h, dans la salle, la lune d'or, 20 avenue des Courtes et Plus, 9100 Villa B. Qu'il tente. Tente d'arriver dans cette salle. C'est fini. Tous ceux qui entreront, d'abord en entrant dans la salle, quand tu mets tes pieds comme ça, là, tu entres comme ça dans la salle, c'est fini. Dès que tu entres dans la salle, bam! 50% de tes problèmes sont d'abord résolus. 50% c'est résolu. Et dès que j'entre dans la salle, vous me voyez à Villa B, fais la prière, dis, Seigneur, si je puis voir ton oint entrer dans la salle, mon problème est résolu. Vous savez que nous, c'est le tic au tac. C'est le tic au tac, c'est le hic et nun, comme disent les latins, ici et maintenant. Peu importe les décrets de mort sur toi, ça va retourner à l'expéditeur. Nous allons récupérer ce que l'ennemi nous a volé en détruisant les hôtels de sorcellerie familiale et ancestrale. Lorsqu'on parle des hôtels ancestraux, c'est des hôtels millénaires et centenaires. Un homme de Dieu a été suscité pour toi et je viens avec un manteau redoutable, un manteau dangereux pour ta délivrance. Ceux qui ont dit que tu vas passer ta vie à pleurer, ou tu vas mourir et croupissant sous le joug de la maladie, tu vas mourir paralysé, ça n'arrivera pas. L'handicap que le diable t'a causé va retourner sur lui, dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est dangereux. Si tu manques le 10 mai, au 20 avril, écoute, je prie, car on se sent vilabé. Mon ami, c'est que tu es le pire ennemi de ta vie. Tu me vois en route, ne me parle pas. Ne tente pas de me parler. Ne m'adresse pas la parole. Je ne répondrai pas. Parce que tu seras le plus grand ennemi de ta vie. Tu as les possibilités. Tu as les moyens. Tu dois même déjà demander la permission dans ton lieu de travail pour venir. Il y a un gros paquet pour chacun. Il y a un gros paquet, mes amis. Dieu est fidèle. Nous lui faisons confiance. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez vous-même tout le bien que Dieu fait à l'Europe.
à travers nos programmes. Vous le savez, mes amis, tout ce que Dieu fait, les biens, les personnes qui devaient être opérées, ça n'a pas. On a prié, c'est parti. L'opération est annulée. Le jeune homme qui est venu, on a tiré à bout portant 6 balles sur lui. Après avoir déclaré, il était dans le coma. Au nom de Jésus de Nazareth, le garçon est sorti du coma. Il accompagnait sa mère pour venir à l'église. Vous voulez encore pas vous démontrer quoi, mes amis? Je ne sers pas une idole. Je ne sers pas un morceau de bois. Je ne sers pas un rocher, une pierre. Je sers celui qu'on appelle le haut pantocrator, le tout-puissant. Le Kurios Touteo, le Seigneur Dieu, le haut pantocrator. Celui devant qui il n'y a point d'impossibilité. Celui qui ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Celui qui ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Jésus-Christ de Nazareth, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les mêmes choses qu'il a faites en Palestine à son époque, il les refera. Vous les reverrez. Le miraculeux est réel. Jésus-Christ est réel. Le royaume de Christ est réel. La vie éternelle est réelle. Toutes ces choses sont réelles. Et je viens, pas avec des paroles. Je viens avec une démonstration d'esprit et de force. Et comme Paul, je le dis, mon évangile n'est pas basé sur des discours persuasifs quand c'est la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit, de puissance et de force. Et la France va encore trembler. Les fondements de l'enfer vont trembler. We are coming. We are coming. We are on our way. The glory of the Lord shall be manifested in your lives. In the name of Jesus Christ, we believe in His grace, we believe in His power, we believe in the Holy Ghost, and we believe in the spiritual capacities that the Holy Ghost has put in us for you, for your deliverance. We are coming with power. We are coming with might in the name of Jesus Christ. Jesus is our Lord. Je vais dire à quelqu'un, s'il te plaît, ne reste pas à la maison. Peu importe ce que tu traverses, les problèmes que tu endures, la vallée de Baca que tu es en train de traverser, Dieu va te sortir de là. Mais si tu étais mort, tu reviendras à la vie. Jésus a dit, « Ego imi anastasis, kaito hezoe, opison eish emeta apotanez esetai. » Moi, je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il était mort. Même si tu es mort, on va prier. Même s'il y a quelqu'un qui est mort, tu viens avec la photo, on va prier. La personne reviendra à la vie. On ne sait pas un enfant. Le matin, et quand je me suis réveillé, j'étais en train de penser à moi, à méditer. Il disait que, gars, mon gars, est-ce que tu sais, tu te rends compte que tu sais le Dieu vivant, le créateur des choses invisibles et des choses visibles, qu'il est ton Dieu, Adonai Elohim, que c'est lui ton patron, qu'il t'a choisi parmi les enfants de ta mère, de ton père, parmi ta génération, pour faire de toi son prophète. Tu peux t'imaginer le privilège. Et je disais, oh Dieu, quel privilège tu m'as fait. Quelle faveur tu m'as faite, Seigneur. Oh, et je me suis senti galvanisé. Je me suis senti ravigoté. Je me suis senti revigoré. Je me suis senti ragaillardi. Je me suis senti encouragé en moi-même. J'ai repris force. Et j'ai dit, Seigneur, je vais être à Paris maintenant. Je vais être maintenant à Paris. Je prends mon vol. Je viens à Paris directement. Je veux venir attaquer le fondement de la maison de ton père, de ta mère. Je viens déclarer la guerre aux hôtels de sorcellerie dans ta famille. Tu n'arrives pas à te marier. Tu es une belle femme, bel homme. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à travailler. Les portes sont fermées, les possibilités. Tu es en Europe depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu ne peux pas avoir le travail. Tu peux avoir le papier. Ça, c'est injuste. On doit arranger ça. Tu as besoin juste d'un mot. Même pas d'un mot. Quelqu'un dira, dès que je vois le prophète entrer dans la salle, je suis délivré. Et lui sera fait selon sa foi. Quelle est ta foi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Venez, mes amis, je vous dis la vérité. Viens. Dimanche le 12 mai, tu viens avec l'offrande familiale. Dans l'enveloppe de l'offrande familiale, là, tu mets les vœux que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Ce que tu veux voir la main de Dieu faire dans ta vie. Tu viens avec. Tu verras ce que Dieu fera. Je ne viens pas blaguer là-bas. Il y a un avenir. Et j'ai dit une chose. Après la France, après le culte des familles en juin, à partir du mois de juillet, on va s'attaquer, on va s'attaquer. Je vais attaquer d'autres pays. Je serai à Bruxelles, en Belgique, j'irai en Suisse, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, partout où Dieu m'enverra. J'apporterai la lumière de l'évangile ici. Les œuvres du diable seront détruites. Tu as droit à la paix, tu as droit au bonheur, tu as droit à réussir, tu as droit à sourire. Ces démons qui ne veulent pas que tu sois en paix, je leur déclare la guerre au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, mon sauveur. Ils libéreront ta vie, ton temps de rien. Donc, prie seulement que j'arrive à Paris. Si vous entendez que je suis venu à Paris, ça dit que vous voyez seulement mon direct. Pam, je suis à Paris.
commencez à célébrer. C'est que la délivrance est arrivée. Et le royaume des cieux est vraiment au milieu de vous. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que sa grâce supérieure te soit donnée. Prépare-toi. Est-ce que tu es prêt? Et j'ai fait une prière à Dieu. Seigneur, comme je vais en Europe, donne-moi des vrais partenaires, des partenaires de vie. Des hommes et des femmes qui vont dire, je fais le sacrifice pour soutenir cette œuvre missionnaire. Pour que cette œuvre missionnaire, ce message traverse la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour l'Angleterre, pour l'Allemagne, pour partout, 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 l'Italie, partout. Que la main de Dieu soit étendue puissamment pour apporter la délivrance et la restauration aux nations. Bien-aimé, sois partenaire. Si Dieu te rend capable de le faire comme je viens, s'il te plaît, fais-le de tout ton cœur. Démarque-toi. Comme Joseph d'Arimathée s'est démarqué. Démarque-toi dans cette génération. Tu verras ce que mon Dieu fera dans tes finances. Je veux prier pour toi. Dieu se glorifiera. On aura une conférence de partenaires. Et je vais avoir une liste de partenaires. Je commence à les recevoir un à un à un. On aura une conférence globale avec tous mes partenaires. Et après cela, je vais recevoir. On va organiser ça avec mon équipe. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Dieu se glorifiera. On ira en Guadeloupe. On ira à l'île Maurice. On ira à Haïti. Les gens d'Haïti m'écrivent tous les jours qui veulent me voir là-bas. On sera à Haïti. On ira partout où le Seigneur nous enverra. Oui, Dieu glorifiera son Saint-Nom. Bien-aimés, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Nous sommes à Paris. Je suis à Paris par la grâce de Dieu. Ce soir au Cameroun, à l'atmosphère miracle, à la Bille. Je suis à Paris. 20 avenue des Courtes Églises, 1100 Villabé, la lune d'or. Là, ça, c'est la lune d'or. Tu tapes sur Google, la lune d'or. Vendredi, 10 mai, la nuit de la récupération de ce que l'ennemi m'a volé. Destruction des hôtels, de la sorcellerie familiale et ancestrale. Tous ceux qui vivent des phénomènes bizarres, on va vous donner le temps de vous exprimer et je vais prier pour vous. Dieu glorifiera son Saint-Nom, mes amis. Dimanche le 12, viens avec ta famille. Viens la consacrer à l'Éternel, ton Dieu, entrer dans une nouvelle alliance avec le Saint-Esprit. Comme tu le fais, le Seigneur te bénira abondamment au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen.